Bonjour à toi qui es sur ma chaîne aujourd'hui et qui s'intéresse aux incontournables des objets d'assistante maternelle de 0 à, je dirais, 3 ans, de 0 à 3 ans. Voilà, on va faire comme ça, de 0 à 3 ans, même si évidemment les objets peuvent être aussi utilisés beaucoup plus tard par des plus grands sans aucun problème. Alors, je vais commencer par... Je vais commencer, je les ai tous là, hop là, par de la motricité fine. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai des petits bâtons sensoriels comme ça que j'ai fabriqués. J'en ai tout plein, je ne vous les ai pas tous pris évidemment. Et du coup, je les ai fait maison. Je trouve ça vachement bien parce que les enfants, à partir de 3 mois, peuvent commencer à les tenir, après à les regarder, à distinguer les petits bruits que vos bâtonnets vont faire, et c'est super sympa. Et pour la préhension, c'est vachement bien. C'est des petits tubes que j'ai fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Je vous la mets juste au-dessus pour comment fabriquer, pourquoi et comment fabriquer des petites bouteilles sensorielles comme ceci. On peut en faire des liquides et des sèches. Voilà, afin de pouvoir éveiller l'enfant le plus petit. Les plus grands aiment bien voir vraiment couler comme ça les petites paillettes, regarder, observer pour un retour au calme, c'est génial. Et les plus petits, ils aiment bien le bruit que font ces petites bouteilles. Voilà, je vous laisserai tout découvrir dans ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas, ça c'est un indispensable pour l'éveil et la motricité fine des plus petits. Dans les plus petits, nous allons également retrouver ces petites choses. Voilà, c'est de la marque Rubabou. Vous voyez, c'est que de la mousse. Alors ça, il en existe comme ça. Et j'ai également des balles sensorielles Rubabou. Là, je vous ai pris celui-là parce que je le trouve juste trop mignon. C'est un peu excessif, je crois que c'est à hauteur de 7 euros ce petit truc. Vous en avez dans tous les magasins de jouets normalement, ça se fait de plus en plus. Maintenant, vous avez même des arbres avec cette matière-là, avec des petits, comme un petit puzzle, c'est trop génial. Des anneaux à mettre aussi, voilà. C'est hyper bien, c'est en plastique, sécurisé pour les enfants et c'est vraiment certifié aussi normes européennes. Donc c'est juste super. Pour l'appréhension, c'est top. Pour le toucher, la sensation, c'est génial. Ça ne s'abîme pas et elles sont plutôt trop trop mignonnes, hein, je dirais, ces petites voitures. Encore pour les plus petits, nous allons avoir plus petit et plus grand pour le coup, mes disques sensoriels. Mes disques sensoriels, je crois que sur ma page Instagram, je vous avais déjà mis quand je les ai reçus. Donc là, c'est avec des picots, avec des traits. Voilà, vous en avez tout plein, tout plein, tout plein, et avec des spirales. Et en fait, ils se collent aux fenêtres, elles se rincent à l'eau, et elles se mettent même au lave-vaisselle, mais rincer à l'eau, c'est largement suffisant. Et vous avez des petits formats et des grands formats. Vous les mettez au sol ou sur une fenêtre et les enfants peuvent faire de la motricité et avoir la sensation au niveau des jambes. C'est juste génial. Donc ça, c'est vraiment un indispensable. Voilà, pour moi en tout cas, c'est un indispensable. De 0, même franchement à 7 ans, mon grand adore monter dessus. C'est trop, c'est top. C'est top. Donc voilà, vous les avez sur Amazon, je crois, au prix de 54 euros ou dans d'autres magasins que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas les citer. Vous allez également avoir, pour les plus petits aussi, au début, bon après c'est aussi les plus grands, à chaque fois je dis les plus petits, mais c'est aussi les plus grands parce qu'on commence toujours par l'appréhension chez les plus petits et après par les jeux de couleurs pour les plus grands. Ce sont ces petits bonhommes en bois que j'ai achetés chez Verbaudet. Ils sont trop mignons. Regardez-les, trop mignons et ils vont super bien. Oui. Ils ont le droit de jouer avec. Donc du coup, voilà, qui vont super bien avec, hop, mon arc-en-ciel. Voilà, nous avons de l'arc-en-ciel en bois de chez Verbaudet également. Je le trouve trop joli. Voilà, donc là, tous les âges, hein. Franchement, ça c'est vraiment chouette. C'est en bois, c'est de top qualité. Ça s'abîme pas, ça décolore pas, ça se nettoie super bien avec un petit chiffon humide ou alors un désinfectant. C'est juste trop bien. Et souvent, ce qu'on peut faire, c'est mettre le bonhomme sur la couleur. Et ça, je trouve ça trop chouette. Donc pour moi, c'est aussi des indispensables parce que les enfants, ils apprennent les couleurs avec ça. La taille, le plus petit, le plus grand. Donc, ils peuvent les compter. Bref, c'est trop génial, quoi. Dans la même catégorie, nous allons retrouver ceci. Ceci, vous le connaissez. Avant, ils étaient en plastique. Maintenant, beaucoup le font en bois. Et du coup, c'est les anneaux à mettre par couleur, par la bonne taille et tout ça. Donc,
Voilà, c'est trop chouette. Et il a une petite... Vous allez me dire, il est cassé, mais non, il est cassé. Et en fait, c'est... Voilà, c'est trop mignon. Et j'adore, et ça permet à ce que ce soit un peu plus difficile, je pense, pour l'enfant, ou alors un peu plus facile, si on veut lui donner un petit coup de main. Donc ça, c'est super chouette pour apprendre à empiler. Donc n'hésitez pas à vous fournir de ce petite chose qui ne coûte vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Une petite dizaine d'euros, je pense, sur les sites d'enfants. Ça se fait plutôt bien. Bah, il est parti chez lui, le bébé. Va ranger avec Nathan, s'il te plaît, avant que papa se fâche. Va ranger, s'il te plaît. Allez, va, cours, 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 cours. Vas-y, vas-y, vas-y. Va ranger. Nous allons retrouver également chez les plus petits de chez Smarmax. Ces petites choses, ils disent que c'est à partir de 3 ans. Moi, je dirais que c'est à partir de 18 mois. Et même un petit peu avant, quand ils sont tout petits, vous enlevez l'aimant et ils peuvent jouer avec dans la main. C'est du plastique. Et c'est des petits aimants de chez Smarmax. Oui. Et vous pouvez fabriquer des petits... Voilà. Voilà. Tiens, tu peux le prendre et va le montrer à Nathan, s'il te plaît. Des petits animaux à aimanter. On peut les aimanter ensemble, mettre les fesses du crocodile dans la girafe. Voilà. On peut faire plein, plein de choses. Et c'est juste trop bien. Au début, ils les prennent à la main. Après, ils font des créations. Oui, tu veux bien ranger là-bas, s'il te plaît, regarde dans le chariot. Voilà, tu peux jouer avec aussi. Nous allons retrouver un peu dans les indispensables aussi ces petites voitures. Parce que beaucoup connaissent les voitures comme ceci. Pousse-moi. Merci, chérie. Les voitures comme ceci en aluminium et plastique. Et en fait, maintenant, moi, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa d'avoir des jolies petites voitures en bois rouge. On en trouve un peu partout également. Beaucoup, les grandes surfaces le font maintenant. Celles-là, j'ai dû les acheter chez Leclerc. Donc voilà, pour pas grand-chose. C'est toujours sympa. Je vais... Je finirai par mon petit chouchou. Là, déjà, l'avant-dernier, c'est bien sûr ces petits morceaux à assembler. On apprend les couleurs, on apprend... c'est en bois, donc c'est trop mignon. Et on apprend les formes. Tiens, mon Jules, tu veux jouer avec? Et bien sûr, pour mon petit dernier, mon petit chouchou, mon indispensable, c'est bien sûr ce petit jeu que vous avez dû voir dans mes vidéos précédentes. J'ai dû vous le présenter déjà. C'est les petites carottes à mettre dans le bon trou. Vous le trouvez sur plein de sites comme Amazon, comme qu'est-ce qu'il y a d'autre, King Jouet ou Jouet Club. Pour une petite quinzaine d'euros, à 10 euros si vous allez sur AliExpress ou Wish. Celui-là, il est vraiment d'Amazon, fabrication française. Et du coup, vous avez les petites de carottes qui sont en feutrine. Donc les enfants au début le prennent et après apprennent à les mettre dans la bonne taille. D'ailleurs il m'en manque un, il a dû être dans un bac, mais lequel je sais pas. Voilà voilà, donc ça c'est juste trop bien et franchement jusqu'à très 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 longtemps. Mais moi quand je le range des fois je me trompe, je vois rien et j'essaye de trouver les bonnes carottes dans le bon trou et c'est pas forcément évident. Voilà pour mes indispensables, j'espère que vous vous êtes amusés, que vous avez appris et que vous avez découvert de nouveaux jeux. J'espère que vous aussi, vos indispensables sont juste super top et s'adaptent à un large choix d'enfants. Ben oui, oui, merci, voilà. Je vais vous dire au revoir accompagnée de la girafe. On va l'appeler Sophie, hein, parce qu'on connaît tous Sophie la girafe. Et du coup, n'hésitez pas à me mettre... Le crocodile, il est là. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à mettre la petite clochette de notification si vous voulez voir les autres vidéos et surtout de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, au revoir. Au revoir.